Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 1 de mes vlogs de Noël. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin des vacances ou jusqu'à ce que Noël arrive, je ne sais pas encore. Mais en tout cas ce que je vais faire c'est je vais vous filmer tout ce que je fais de Noël dans la journée, donc les activités de Noël et tout ça. Donc aujourd'hui on est le 17 décembre, si je me rappelle bien, je crois que oui. Donc je vous amène avec moi, on va faire quelques petites activités de Noël aujourd'hui et ouais, c'est parti. Première activité, le tableau en fromage. Juste avant de vous montrer le tableau en fromage, on va ouvrir mon calendrier. En fait non, on va pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà ouvert, ce que j'ai oublié de filmer pendant que j'ouvrais. Bon, c'est pas grave, hein. Donc ça c'est ce que j'ai eu, on voit pas très très bien. Mais je pense que c'est du Tinounours si je vois à travers. Je crois que c'est ça. Ah, ok, non, c'est sûr, c'est ça en fait. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est des petits garçons. Donc, moi, c'est un calendrier de bonbons et non pas de chocolat parce que j'aime pas le chocolat. Bah, attendez, je vais vous montrer, c'est plus simple. Le calendrier, c'est ça, voilà. Donc, dedans, je disais, c'est des bonbons et non pas du chocolat parce que j'aime pas le chocolat. Donc aujourd'hui, on a eu des petits oursons. Donc maintenant, on revient à notre tableau de Noël. Et donc, on a pas mal fini. Il y a juste une petite étape qu'on va faire maintenant. Donc, on rajoute un petit peu de neige avec du sucre glace. Donc là, vous pouvez voir l'étendue du tableau. Donc pendant que ma mère en met, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là on a mis quelques petites étoiles et une lune avec un visage. Les petits bouts qui sont un petit peu partout, c'est pas des qui servent à rien, c'est comme des flocons de neige. Là on a fait un petit sapin avec son étoile. En fait son étoile c'est un emporte-pièce de fleurs ici. Sauf que les étoiles, bah, vous voyez, elles sont beaucoup trop grosses. Donc on a mis une petite fleur, mais ça fait bien quand même. On a fait un petit rond là, des petits cadeaux là, ce qui ressemble à un cadeau. Et on a des petites boules de je sais plus quoi, Annette. Je sais plus. Donc, ouais. Donc là, maintenant, on a fini. Ça ressemble à ça. Donc, les fromages, c'est de la marque Castello. Donc, ouais, première activité de Noël faite. Et donc, voici la photo finale du tableau de fromage. Donc, c'est la fin de l'activité du tableau de fromage, mais le vlog ne se termine pas. Donc là, pour activité hop là, de Noël, j'ai un cadeau, non trois, pardon, trois cadeaux à emballer pour ma grand-mère, pour ensuite aller lui donner. Donc j'ai pris ces petits sacs là, voilà. Je les ai même pas encore déballés parce que je les ai pas utilisés, parce qu'ils étaient tout le temps trop petits pour les cadeaux que j'achetais pour ma famille. J'arrive pas à le déballer, ça va super bien aller. J'ai réussi. Bon, ça. Ow. Donc, voici les différents modèles. Hein. Je passe très vite parce qu'il y en a juste 4. Et c'est parfait vu qu'il y a 3 cadeaux. Donc, j'en aurai juste un en trop. Quel est celui que j'aime le moins? Celui-là, je l'aime pas vraiment. Donc, c'est ciao. Donc, je vais emballer avec ces 3-là. Le premier, bah je dirais pas c'est quoi parce que ma grand-mère va regarder la vidéo, donc elle va être là. Ouh, intéressant, mes cadeaux sont là. Donc je ne dirai pas c'est quoi les cadeaux, je vous dirai seulement quand ils les auront ouverts, quand ce sera Noël. Ben pas Noël, mais bref. Donc, celui-là, ça va être pour le premier cadeau que je ne dirai pas. Donc je l'emballe et je vous reviens. C'est dans ce magnifique sac, je ne vais pas montrer la marque elle est ici là. Je ne vous montrerai pas la marque parce que sinon ma grand-mère va deviner c'est quoi. Ici, il n'y a pas de marque, voilà, nickel. Donc voilà, c'est dans ce magnifique sac que tous les cadeaux sont dedans. Et en passant, ça fait du bruit parce qu'il y a un grelot quelque part, je sais pas où. Ici, voilà, il y a un grelot. Donc les 3 cadeaux sont là-dedans que je vais transférer là-dedans, là-dedans et là-dedans. Donc en fait, je viens d'enlever un des cadeaux du sac là. Et en fait, il est beaucoup trop gros pour ce sac. Regardez, ce sac, il fait même pas la taille de ma tête.
Et le cadeau, je vais pas vous le montrer, mais il fait à peu près 3 fois la taille de ça. Donc, hop, 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 il fait tout ça. Donc, je pourrais pas le mettre là-dedans. Donc, en gros, je vais tout sortir ce qu'il y a dans le sac directement. Et donc, le cadeau qui est trop gros, je vais le mettre dans le sac où il y a la marque. Et dedans, donc, j'ai mis le papier de soie dessus. La marque est toujours de ce côté-là, donc je ne le montrerai pas. Et donc, ouais, le cadeau est là. Là, il y a un petit collant de petits trucs trop mignons, c'est trop bien. Bon, donc, bref, celui-là, il est fait. Maintenant, on va emballer les autres cadeaux. Bon, donc maintenant qu'un des sacs ici ne va servir à rien parce qu'il reste juste 2 cadeaux à emballer et qu'ils sont assez petits pour rentrer là-dedans, je l'espère, on va devoir en enlever un autre. Donc, attendez, le sapin, s'il n'y a pas de cadeau au bas, c'est lui que j'enlève. Non, il n'y a pas de cadeau en bas. Bon, bah, c'est lui que j'enlève. Donc, il reste juste ces deux-là. J'espère que ça va rentrer dedans. Et lui, regardez-moi ça. Il est trop stylé. Alors, je vais mettre le meilleur cadeau dedans. C'est sûr. Oh, il est trop... Il est beaucoup trop beau. Ne me demandez pas pourquoi j'ai filmé ça. Je voulais juste vous montrer à quel point il est beau. Ça rentre. Donc, vous le voyez pas, mais le cadeau, il est dedans, voilà. Le cadeau, il est dedans. Donc, j'ai mis le plus cool des cadeaux dans le plus beau des sacs. Vous, si vous le trouvez moche, c'est pas grave, mais moi, je le trouve tellement beau. Donc, maintenant, on va emballer le dernier qui est juste là. Vous voyez juste un petit bout de corde, parce qu'il y a une corde dessus. Donc ça, en fait, il est vraiment petit, donc c'est sûr et certain qu'il va rentrer là-dedans. Genre, s'il rentre pas dedans, c'est les sacs qui sont trop petits et non le cadeau qui est trop gros. Donc attendez, je vais le faire hors caméra. C'est bien ce que je pensais. Là, le cadeau, il est dedans. Et le sac est encore... Genre, le sac, je peux encore le compresser, donc ouais. J'ai mis le cadeau dedans, comme je vous ai montré dans le plan précédent. Et le seul problème, c'est que je ne trouve pas de papier de soie. Et là, vous allez me dire, où tu as trouvé le papier de soie pour le premier? Il était déjà fourni dans le sac, mais là, je n'ai pas de papier fourni dans ce sac. Donc, je ne sais pas où est le papier de soie. Maman? J'en ai trouvé. Ouh. Donc, on va mettre ça là-dedans. Enfin, là-dedans, mais... Ouais, bref. C'est bon, j'ai mis le petit papier, donc le cadeau est bien à l'intérieur. On n'entend pas parce qu'il est recouvert de papier, mais de papier de soie, mais il est bien dedans. Donc voilà, je sais pas pourquoi je l'approche autant parce que c'est juste du papier en gros. Donc là, hop, je reprends ça et le gros sac, pas maintenant parce qu'il me sert de trépied pour l'instant. Mon trépied, c'est le gros sac. Donc pour l'instant, hop, non. Mais donc, bam. Attendez, vous le voyez pas du tout. Bam. Donc, je vais chercher celui qui correspond le plus à ma grand-mère, dans ses goûts ou je sais pas quoi. Donc, ouais, ça va être un peu long. Parce que je ne connais pas vraiment mes goûts de Noël. Les goûts de Noël de ma grand-mère. Donc, ça va être compliqué. Ah, bah, celui-là... Celui-là, il est bien pour ma grand-mère. Et celui-là. Donc, celui-là et celui-là. Bon, je ne les vois pas du tout là, mais c'est pas grave. Celui-là et le troisième que je vais vous montrer après. Hop. Hop. Et hop. Donc, voici les cadeaux donc, finis. Donc, j'ai pris celui-là. Celui-là. Et l'autre, je vais pas vous le montrer parce que la marque est de l'autre côté. Attendez. Et celui-là, voilà, comme ça vous voyez un tout petit peu de la marque, mais pas beaucoup. Donc, voilà. Pour les cadeaux de ma grand-mère, c'est fait. Je vais les mettre en dessous du sapin. Donc, en même temps, voilà, voici notre sapin. Et donc, tous les cadeaux. Et donc, ces trois-là vont aller. J'essaie de pas les faire tomber
Donc, c'est que là, voilà, voilà. Donc, je vous fais une petite transition très claquée. Voilà, donc, le cadeau là, vous voyez un petit peu la marque, mais c'est pas grave. Donc, là, là et là. J'ai eu l'idée de faire une manicure de Noël, donc je le mettrai dans la vidéo. Sauf que bah, je peux pas maintenant, donc je le ferai plus tard, mais je vais quand même vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser ces quatre couleurs là. Je vous dis pas encore ce que je fais, donc j'utilise du rouge. Du bleu, bon là on dirait que c'est noir sur la caméra, mais c'est pas noir, c'est bleu. Du petit rose. Et bon, c'était censé être du noir parce que je voulais avoir du noir, sauf que j'ai pas de noir. Donc c'est juste du mauve très 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 foncé. Donc c'est la fin du vlog numéro 1 de Noël. Un petit peu trop tôt. Donc oui, il était un petit peu court, mais c'est juste parce que c'est le premier jour des vacances. Donc j'avais pas grand chose à faire de Noël. Et donc aussi finalement la manicure que je devais faire, je la ferai demain. Car aujourd'hui j'ai pas le temps de la faire, donc c'est demain que je vais vous la montrer. Donc aussi, on a donc fait un tableau en fromage. On a emballé 3 cadeaux pour ma grand-mère et on a préparé la manicure. Donc pour les cadeaux de ma grand-mère, je vous les ai pas montrés parce qu'elle avait regardé la vidéo. De toute façon je vous ai déjà expliqué. Mais en fait, j'ai décidé que j'allais vous les dire quand mes grands-parents vont déballer leurs cadeaux. Donc moi, je vais vous dire ce qu'ils m'ont donné à moi. Et je vais vous dire ce qu'on leur a donné aussi. Comme ça, bah, je ne vous fais pas trop durer le suspense. Donc je vous dirai ces cadeaux-là samedi, parce que c'est samedi que je déballe tous les cadeaux. Mais pas tout. Bref, je vous expliquerai quand ce sera le temps de cet événement-là. Donc, le vlog numéro 1 est fini. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao, à bientôt pour un prochain vlog.